Salut, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Aujourd'hui on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo, comme vous avez pu le voir donc sur la miniature, pour un gros haul Temu, mais pas n'importe lequel. Puisqu'en fait cette vidéo va un peu spoiler la vidéo alors soit de la semaine prochaine, soit dans deux semaines, où il s'agira tout simplement donc d'une rénovation d'une pièce chez mes parents donc. Et là donc c'est la chambre donc de ma mère qui voulait absolument un thème... on va dire un peu sur les îles, et ce depuis des années, donc elle n'est absolument pas au courant, seulement mon père est au courant. Donc il faut savoir qu'il n'y aura pas tout, puisque bon, là c'est juste de la décoration que j'ai pu trouver chez Temu. Bien évidemment la rénovation ne se limitera pas à Temu, hein. Il y aura du bambou et tout ça, donc ça va être quand même, je pense, assez drôle. Donc je vais commencer direct parce que je pense qu'on a pas mal de choses à voir. Alors il faut savoir qu'il y a eu deux colis pour la simple et bonne raison qu'ils ont voulu l'envoyer en deux colis, soi-disant que ça allait arriver plus vite. Bon, je viens de recevoir les deux en même temps. Hein, voilà. Donc on va commencer par le plus petit, je sais du coup lequel ils ont mis en solo. Alors c'est en résine, d'ailleurs je vais vous dire comme d'hab hein, les prix, et je vous le mets en bas de l'écran. Bon, je sais plus de quel côté c'est, moi quand je monte, mais quelque part sur l'écran. Donc deux souvenirs quand même. Bon, c'est une commande qui avait coûté quand même assez cher. Bon, c'est mon père donc qui a pris en compte le financement, puisque moi je vais faire la main d'œuvre. Mais je crois qu'on en était quand même pour 127 euros, mine de rien. Donc ça tape. Après, je sais plus combien il y a d'articles dedans. On a 23 articles en tout. Bon, on peut se dire potentiellement ça peut aller. Donc celui-ci, il a coûté, dis-moi tout mon enfant. Il ne veut pas me le mettre. Bah alors. Alors, putain, je peux plus voir la liste. Bon, de celui-là de souvenir, il était dans les 14 euros pour de la résine. Bon ok, déjà c'est bien, ça me fait récupérer un carton. C'est cool, parce que pour les envois, alors pas de la boutique, hein, mais les envois vintage là, surtout en ce moment... les gens se réveillent. Oh, au moins il est bien protégé aussi. Dans, du coup, un... C'est quoi, ce polystère. Après, je me dis vraiment, faut pas que je casse tout ça. De toute façon, à la fin, moi, je prendrai une photo pour envoyer tout ça à mon père. Histoire qu'il ait un petit spoiler, puisqu'il n'a pas vraiment vu... bah, il a vu le montant, mais il n'a pas vu les objets. Hop. Sachant que de souvenir aussi, ce qui m'avait coûté le plus cher, c'était les rideaux. Puisque j'aimerais en fait lui faire, vous savez, un peu au-dessus de son lit, donc des bandes de bambou, des sortes de tringles, on va dire, de bambou qui font le tour du lit avec des rideaux. Manque de peau, bah il en fallait 8 et on connaît le prix des rideaux. Et encore sur Temu, ça allait. Mais. Alors, là ça se présente comme ça. Oh. Ah ouais! Alors je me souviens plus de la signification, mais en tout cas j'aime beaucoup. Parce que je voyais bien le mettre sur une étagère. Un peu parce que bon c'est quand même des îles, mais en vrai je trouve qu'elle est super bien faite. Putain. En plus toute fraîche, c'est bien, ça va être bon ça en été. Ok. Non voilà, bon, pour l'instant j'aime bien. En tout cas il n'y a pas de défaut. Parce que bon on connaît des fois, enfin pas de défaut, on voit quand même que le moule était en deux fois. Hein, Et bon, à part ça, je trouve que pour le prix, ça va. Ouais. Pour une petite déco dans la chambre. Je vais pas totalement le remballer, sinon je vais plus arriver à le sortir. Là, on va attaquer donc le gros colis. Et très honnêtement, je ne me souviens plus totalement de ce qu'il y a. Alors, j'ai évité de couper comme une cinglée dans le sac. Oh là là, ouais. Ouf. Il est blindé. Qu'il n'en peut plus. Alors bon, premier truc qui arrive, alors ça je comptais le mettre dans un petit pot, vous savez, alors moi j'en ai un, mais bon, une sorte de plante pour la plante là, je sais plus comment ça s'appelle, enfin les pots tressés, donc il y en a deux. Ah oui d'accord, deux, mais qui sont quand même ils ont leur mastoc hein. Donc je les ai payés, me dites pas que je peux pas avoir le prix. Bon, j'essaierai de vous trouver le prix de chaque, sachant que ça aura potentiellement varié. Mais en fait, j'ai la liste des objets, mais je peux pas cliquer dessus. Putain, ça... y a pas le prix si jamais dessus. Non. Bon. Donc ça va vraiment être... Ah, c'est cool. C'est, vous savez, comme le fil de fer.
Donc ça c'est cool. Parce que du coup j'ai bien pouvoir. En fait de toute façon je voulais mettre les deux dans un seul pot. Pour histoire de donner un peu de végétation. Sachant que j'avais à prendre en compte l'option lapin qui bouffe tout. Bon là déjà, en vrai ça fait une sacrée diamètre. Hein. Et je pense qu'en vrai les deux ajoutés, ça fera un bon paquet. Bon je vais pas tout ouvrir parce que vraiment après pour le transport ça va être à chier. Qu'est-ce que c'est que ça? En tout cas le carton morflé. Alors j'ai essayé de faire vite parce que je pense que sinon la vidéo va être extrêmement longue. Ah oui. Ok, oh c'est trop mignon. La petite accroche. Alors ça je vais pas le déballer par contre. Sinon j'en fous de partout, je vais me faire tuer. C'est donc des feuilles ou fleurs, je sais jamais, de pampa. Et ça pareil, je me disais dans un petit vase, je pense que ça peut être super classe. Le mélange donc de couleurs. Parce qu'en fait je regardais pas mal les inspirations sur Pinterest pour vraiment faire authentique. Parce que si je fais une rénovation sur un thème, il faut que ça soit vraiment le plus ressemblant possible et pas juste oh, des petits machins, hop. Et c'est vrai que je voyais beaucoup dans des tons assez beige, blanc, etc. Donc je me suis dit ça sera parfait dedans. Ici, qu'est-ce que c'est? Et je vous jure, il y a des choses, je sais pas ce que c'est, regardez-moi ça. Et c'est pas marqué. Je sais pas. Ah ok, alors à savoir lequel c'est. J'avais pris des affiches pour les mettre sur son mur. Alors, sachant que j'ai un peu peur et en même temps hâte de voir. Parce que j'ai pris de très grosses affiches. Alors après, vous savez, c'est les tissus qu'on accroche. Mais pour lui faire une sorte de fond. Parce que bon, je vais pas m'éclater à lui mettre du papier peint. Hein. On sait à quel point c'est galère. Et bon, en 48 heures, je suis pas sûre que c'est le temps de poser. Là, par contre, il va falloir que j'achète des cadres d'ailleurs. Oh, je suis en train de me dire. Oh là 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 là. Parce que j'ai déjà une belle idée. Ah, je pensais qu'il était en bois celui-là. Ok. Donc là par exemple, celui-là je pensais le mettre à l'entrée de sa chambre. Et je pensais qu'il était en bois. Bon après il est très pixelisé lui pour le coup. Hein. Je crois qu'il n'avait pas coûté non plus si cher que ça. Ok, bah là on a le panier. Oh. Il y en a plusieurs? Ouais. Ah il y a plusieurs paniers. Je m'en souviens pas. Il y a plusieurs paniers. Attendez, j'en ai pris combien? Non mais vraiment parce que... Ou alors c'était un lot de deux, j'ai pas fait gaffe. Ah non j'en ai pris deux, ok. Non, my bad. Ouais, donc comme ça, ça c'est pour mettre donc les feuilles vertes. Et c'est donc un peu comme ça que je joue. Alors je connais pas la matière. Hein. Bon, il est où l'ouverture? Il est là. Hop, bon j'ai pas dévalé l'autre. Là pour l'instant ça se présente donc comme ça. Et normalement... Voilà, petit panier, donc comme ça, je trouve ça trop chou. Ça par contre, que ça soit en magasin ou sur Timmy, c'est cher. Hein. Donc en gros, hop, il y aura... Bon, je pense que je mettrai un peu un support à l'intérieur. Mais quand ça sera bien déballé, bah, ça fera vraiment nickel chrome. Ensuite, j'avais pris... Alors, s'il y en a qui ont vu les hall Temu précédents, notamment pour mon bureau... J'avais déjà pris ce genre de guirlande. Et ben, super, il y a Jennifer qui est partie. Voilà. J'avais pris ce genre de guirlande. Alors, ça fait cheap, on va pas se cacher. Mais là, je m'en foutais, m'en fous partout. Je m'en fichais un peu dans la mesure où c'est pour faire un peu une partie du cadre de là où il y aura les rideaux. Donc, hein. Voilà, petit. Enfin, petite guirlande quoi. Après, les fleurs, forcément. Hein. Alors. Je vois tous les rideaux là déjà. Ok, ça doit être une deuxième affiche, je pense. Enfin, petite affiche. Après, la question c'est savoir laquelle. Putain, j'ai trop peur de couper du coup la toile là. Oh oui! Oh, je l'aimais beaucoup celle-là. Vraiment, j'imagine trop un cadre. Et en vrai, ça va, vous voyez, là c'est pas dégueu. Alors attendez, je vais essayer de bien vous l'atteindre. Oh, j'aime trop. Hop, donc. Sur Tahiti. Mais j'aime beaucoup l'affiche. Et vous voyez, elles sont quand même assez grandes. Donc après, bon, ça, par exemple, c'est typiquement à mettre en cadre. Hein. Mais oh, j'aime beaucoup celle-là. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Hop, ensuite, on a... Oui, ouais.
Ça, je me disais que ça pourrait être pas mal pour le mettre. En fait, je vais lui faire une sorte de petite étagère, comme je disais, je crois, au début. Et donc... J'ai un caillou dedans ou c'est un insecte? Qu'est-ce que c'est? Ah, une deuxième fleur à terre, visiblement. Je sais pas ce que c'est. Du coup, je pense le mettre avec quelques petites décos un peu plus esthétiques, etc. dedans, avec bah, notamment la statue à côté. Donc, ouais, c'est pareil, ça, en vrai. En fait, de toute façon, Temu, ça dépend vraiment du vendeur. C'est aussi bien vous pouvez avoir de la bonne qualité que des trucs... Qu'est-ce que ça? Oh oui. Ah, oh, j'aimais trop celui-là. J'avoue, je crois que lui par contre c'était 11€ ou 12€, mais j'aimais beaucoup trop. Et j'avoue. Alors par contre, je pensais que c'était en bois. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est pour l'accrocher. Hein, c'est une petite tortue qui est gravée. Alors vous en aviez plusieurs, mais par contre, je suis pas d'accord. Elle ressort beaucoup mieux à la caméra qu'IRL niveau des couleurs. Mais je la trouve vraiment mais magnifique. Et là, donc derrière, vous pouvez l'accrocher. Et pareil, je me demande si c'est pas de la résine parce qu'elle est aussi froide que la première statue. Mais du coup, je la trouvais vraiment trop belle. Ensuite, on a les rideaux. Alors, j'ai juste en déballé un. Hein. Je vais pas m'amuser à tous les déballer. Hein. Surtout que la rénovation, je la fais pas tout de suite parce qu'il faut aller couper les bambous et attendre qu'ils sèchent. Bon, de toute façon, là, au moment où vous verrez la vidéo, elle sera déjà. Enfin, la rénovation sera déjà faite. C'est dans quel sens? Ok, c'est. Ah, c'est tout petit! Mais non! Oh! Bon, après, vous me direz, au moins le lapin, il ira pas le bouffer vu qu'elle monte sur le lit. Mais bon, j'aurais pas besoin du coup de les enrouler, ça devait faire 1m30. Hein. Bah, un peu déçu là par contre de ça, je pensais que ça allait être plus grand. Donc bon, après si en soi je peux un peu tricher en descendant les bambous, en les mettant pas collés au plafond, à la limite. Alors, ok, j'avais pris une deuxième guirlande apparemment, bon après ça me semble un peu logique, étant sur les deux côtés, donc je ne vais pas la rouvrir. Ok. Ça, je crois que de base, je voulais le mettre derrière le lit. Par contre, c'est étonnant, j'ai pas les accroches. Attendez, je trouve ça comment avec des punaises? Ouais, par contre, attendez. Bon, ça fait pas super réaliste. Hein. Je sais pas si vous allez bien voir à la caméra parce que je suis pas non plus super grande. J'essaie de mettre comme ça. Donc, avec style fenêtre. Fenêtre ouverte. Donc, bon, ok. Après, de toute façon, faut pas s'attendre non plus à des trucs comme sur le papier, papier peint. Celle-là, pour le coup, heureusement, c'est bien détaillé. Bon, sur de la toile, ça suffira pour ce que ça doit servir. Ça, oui, oh, j'aimais beaucoup aussi celle-là. Bon, ça, je vais pas l'enlever. Hein. C'est un disque en métal, je pense. Comme ceci. Et je le trouvais très beau. Et à chaque fois, j'en voyais plein. Même pour au moment où je regardais pour l'automne l'année dernière, etc. Mais j'ai jamais craqué. Et ben là, je me suis dit, vas-y, let's go. Et en vrai, il est plutôt pas mal celui-là. J'aime beaucoup. Et ensuite, c'est le dernier? Ah non. Ah oui, c'est vrai. Ok, après, je crois qu'il me reste deux produits. Ah, là, j'ai les accroches. Alors ça, j'avais pris donc des petites fleurs de monoï, je crois. Je cherche l'ouverture comme d'habitude. A few moments later. Donc j'ai un peu l'impression que ça va être comme la texture des tulipes. Donc pareil, hein, qui était dans un ancien hall. Donc voilà la fleur. Et il y a donc des accroches si jamais derrière. Moi je m'étais dit de base les mettre sur des affiches. Une étagère. Mais je pense que je pourrais potentiellement aussi en mettre parce qu'il y en a plusieurs. Il y en a combien? Est-ce que c'est marqué? Il y en a 6. Je me disais pourquoi pas en mettre sur les rideaux. Donc ça je verrai au moment, ça c'est vraiment de la finition pour le coup. Mais ça ok, au moins on risque pas d'être déçu. Et là, la plus grosse pièce, je l'avais pris vraiment grande. Hein. Bon là c'est marqué en inch. Donc, mais je crois que c'était de 2 mètres, plus de 2 mètres en fait. Donc là on a les fameuses accroches, d'ailleurs il y en a 3. Pourquoi pas 4, pourquoi pas 2. Enfin si, on a 2 accroches mais 3 petits... J'allais dire piton, mais je sais pas comment ça s'appelle. Alors celui-là, franchement, je sais pas si vous allez le voir. Il faut que je me mette peut-être derrière le canapé. Ouh, c'est super grand. Ça, je vais rire, moi, quand je vais devoir le mettre. Donc là, vous avez déjà une partie.
Donc vraiment style palmier. Et de l'autre côté, je crois que ouais, c'est un peu la même, sauf que vous avez des maisons. Et un ponton. Avec bah, les fameux voiles ici. Du coup, je pense qu'on a terminé la vidéo. En vrai, il y a pas mal de choses déjà que, bah, que j'aime beaucoup, surtout ceux en résine. Et alors, on en parle de cette tortue. Ça va, je pense que ça, ça va largement aller, là, la dernière toile, pour parce qu'en fait, je comptais la mettre en face du lit. Derrière la télé. Non, franchement, je pense qu'il y a pas mal de choses à faire, sachant que, bon, la chambre, je pense que ça sera la plus petite rénovation sur toutes celles qui sont prévues. Donc, n'hésitez pas, du coup, si cette vidéo-là vous a plu et si les projets, justement, courts, enfin, ou futurs, qui vont arriver donc sur la chaîne vous intéressent, n'hésitez pas donc à liker, à commenter et à vous abonner. Me dire pourquoi pas quel produit vous préfériez. Et du coup, bah, moi, je vous dis bye bye!